Bonjour, bonjour à tous, à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui sont sur Internet. Bienvenue à cette table ronde de 13h30. La table ronde sur les métiers de l'animation, entre parenthèses, et du sport, parce qu'on va aussi parler de sport. Mais on va commencer par l'animation. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de présenter de façon collective un éventail des métiers liés donc à l'animation et au sport. De parler aussi des formations, puisqu'on est dans le cadre du Salon Passerelle, on est vraiment, on a tout ce qu'il faut un peu plus loin pour vous informer sur les formations, avec tous les organismes qui sont présents. Voilà l'objectif de cette table ronde. Vous pouvez interagir, poser des questions derrière l'ordi, et puis là, vous n'hésitez pas à lever la main si vous voulez en poser, il n'y a pas de souci, je crois qu'il y a un micro qui pourra venir jusqu'à vous. Alors, on va se présenter. Moi, je m'appelle Sébastien Beck. Je travaille à InfoJeunes La Rochelle, le CDIJ. On fait de l'information pour les jeunes sur tout ce qui peut les concerner, et notamment sur les formations. Et voilà. Et donc, à mes côtés, Ludovic. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Ludovic Leray et je suis directeur d'une association qui s'appelle Profession Sport et Loisirs. Et nous, notre objectif global, on va dire, c'est de participer au développement de l'emploi dans le domaine du sport et de l'animation. Alors, j'excuse, on devait avoir un troisième intervenant, Virginie Pouilloux, qui travaille au Franca, qui n'est pas là finalement aujourd'hui pour des raisons qui. Voilà, un peu Raison d'actualité. d'actualité. Alors, on va commencer par quelques chiffres. Vous parlez de l'animation en parlant de quelques chiffres. Et on commence par les perspectives de recrutement. Ludovic, je peux te laisser la parole peut-être? On a préparé quelques chiffres qui sortent d'une étude notamment de Cap Métier. Pour vous ayez un petit peu un ordre d'idée en fait sur les perspectives d'embauche, parce que voilà, c'est pas le tout de s'engager sur des formations, mais encore faut-il qu'il y ait des perspectives derrière. Donc on a un chiffre qui est intéressant, c'est-à-dire 10 700 projets de recrutement à court terme en Nouvelle-Aquitaine. Alors même si on est dans une grande région hein, avec 11 départements de mémoire, mais voilà, ça veut dire quand même qu'il y a du potentiel d'embauche derrière. Et puis quand on regarde, quand on scinde un petit peu les choses, on a 7 800 projets de recrutement sur les métiers de l'animation, 2 900 sur les métiers du sport. Donc on voit déjà un petit peu quand on regarde, ben voilà, qu'il y a plus. Alors on pourrait en déduire que l'animation socioculturelle est un secteur davantage professionnalisé que le milieu sportif. Et puis, ce qui est intéressant après, c'est de regarder la typologie des postes. Donc, on voit là, c'est plutôt le côté négatif, c'est-à-dire que les trois quarts des projets sont saisonniers. Et puis, on a les employeurs qui ont du mal à recruter, puisque 42% des recrutements sont jugés difficiles. Donc, voilà, à moyen terme, on a un besoin régional estimé voilà, entre 2 300 et 3 000 nouveaux actifs par an. À cela, on va avoir deux raisons. On a la pyramide des âges hein, qui évolue, et puis donc avec des départs en retraite qui sont programmés. Et puis aussi, on voit que on y reviendra, c'est un marché qui est plutôt porteur en termes de création d'emplois, avec voilà, des nouveaux postes qui sont créés chaque année. Voilà, sur la diapo suivante, on va regarder un petit peu la typologie des employeurs. Donc on a les associations. Donc le premier employeur, on va dire, c'est le milieu associatif. Puisque ça représente 61% des emplois salariés. Et après, on a sur les salariés, on a deux grandes catégories. Alors là, il faut expliquer un petit peu, c'est un petit peu du jargon, mais on a la sphère des employeurs marchands et les employeurs non marchands. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer? Le secteur non marchand, en fait, c'est les associations et puis toutes les collectivités. Donc tous les gens qui sont salariés des collectivités locales, des mairies, on va pouvoir tous y retrouver les profs de PS dans le milieu scolaire, etc. Et donc tout, voilà, on voit que dans la sphère marchande, on a aussi quelques postes. Donc dans la sphère marchande, ça va être voilà, plus classiquement, ça va être vraiment les entreprises, tout le secteur récréatif, par exemple. Voilà,
qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a aussi, ça c'est important, c'est assez nouveau hein, quand on regarde l'évolution dans le temps, on a aussi les indépendants qui sont de plus en plus nombreux, notamment avec le succès de la micro-entreprise qu'on a appelée avant les auto-entrepreneurs. Voilà. Donc sur les auto-entrepreneurs, on peut peut-être en parler un petit peu, c'est-à-dire que voilà, on pourrait se dire bon, là, c'est ce type d'emploi là qui évolue très positivement chaque année. Après, parfois, enfin très souvent, ça cache des emplois plutôt précaires avec des temps très partiels. Et puis souvent, ça se traduit en cumul d'activités, c'est-à-dire que sur notre secteur, on a aussi pas mal de gens qui sont salariés, qui ont une partie de leur emploi en salarié, et puis qui créent une micro-entreprise, mais pour avoir une activité dite accessoire, voilà, pour avoir un petit complément. Voilà sur cette diapo. Vous n'hésiterez pas à poser vos questions hein, pour rentrer dans les détails par la suite. Sur la diapo suivante, on a quelques chiffres aussi à ressortir. Non pas sur les créations de postes, mais voilà, sur l'état actuel du marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'on a 28 000 néo-aquitains qui exercent un métier dans le domaine du sport ou de l'animation. Le plus grand chiffre, ça va être ce qu'on a appelé là les opérateurs socioculturels, donc c'est en fait les animateurs. Hein. Donc on est à près de 14 000 animateurs. On est un peu plus de 10 000. Alors là, ce qui est un peu compliqué dans ce chiffre-là, c'est qu'on a les éducateurs sportifs, mais on a aussi mis les sportifs professionnels avec. Bon, après, les sportifs professionnels, on ne va pas dire c'est infinitésimal, mais bon, je ne sais pas, dans les 10 500, il y a peut-être 3% de sportifs professionnels. C'est peu en termes d'effectifs. Voilà, et puis ce qui est intéressant aussi quand on veut se projeter à moyen ou à long terme, c'est qu'on voit qu'on a 3400 cadres. Et là, c'est intéressant aussi de regarder un petit peu la différence entre le secteur sportif et le secteur de l'animation, puisqu'on voit que le secteur de l'animation, je disais tout à l'heure qu'il est plus professionnalisé que le secteur sportif, mais il y a aussi beaucoup moins d'emplois de cadres dans le secteur du sport que dans le secteur de l'animation. On pourra peut-être expliquer pourquoi. Enfin, c'est notamment dans le secteur, dans les centres de loisirs, par exemple, les centres sociaux, etc. Bon, on a des grosses équipes, hein, on a des équipes d'animateurs, on a des postes de coordinateurs, etc. Et donc, ça implique d'avoir un directeur, une directrice pour gérer l'ensemble du personnel. Alors que dans le secteur du sport, bien souvent, on a un seul salarié dans chaque club, par exemple. Voilà, on voit que sur la typologie des postes, on a un taux de CDI qui est peut-être un petit peu plus faible que la moyenne nationale. On est à 48% dans le domaine du sport, 66% dans le domaine de l'animation. Et puis on a un temps partiel voilà, qui est assez important, plus chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes. Alors après, ça c'est compliqué de l'analyser parce qu'il y a aussi beaucoup de temps partiel, non pas subi, mais souhaité par les salariés. Et puis ce qui est important de souligner, c'est la part des femmes dans tout ça. Alors dans le secteur de l'animation, on va dire, c'est plutôt bien. On peut se poser la question pourquoi il n'y a pas plus d'hommes. Mais par contre, on a un souci dans le secteur du sport. Et c'est même un taux qui a tendance à diminuer. Là, on est à 33% de postes occupés par des femmes. Et ça n'évolue pas positivement. En fait, on est loin des 50% et on ne se rapproche pas des 50%. Donc, je pense que voilà, tous collectivement, et c'est le salon passerelle aussi, est l'occasion de faire passer un message, c'est-à-dire que les métiers du sport sont aussi accessibles aux femmes, autant que pour les hommes. On a d'ailleurs de très beaux exemples. Hein. Voilà, je pourrais peut-être préciser après ce qu'est profession sport et loisirs, mais notre premier métier, c'est d'être employeur. On a un groupement d'employeurs, donc on embauche aujourd'hui près de 300 salariés. Et donc, parmi ces salariés, on a aussi des exemples d'éducateurs, d'éducatrices sportives dans des disciplines qui, a priori, sont plutôt pas très féminisées. Hein. Je pense au rugby, je pense au sport de contact, au sport de combat, etc. On a des postes d'éducatrices sportives dans ces activités-là où ça fonctionne très bien. Voilà, elles ne rencontrent pas du tout de problèmes dans l'exercice de leur métier. Donc voilà, s'il y a un premier message à faire passer, c'est de dire que ce sont des métiers qui sont complètement accessibles aux femmes. On peut préciser que ces chiffres ne dépendent pas des employeurs, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix des employeurs de prendre plus d'hommes dans le sport et plus de femmes dans l'animation. Ouais, au contraire, même, on voit de plus en plus...
Alors, je ne sais pas, après, s'il y a peut-être la culture qui évolue, etc. Mais je pense que dans les milieux où il y avait pas mal de stéréotypes, voilà, le milieu du foot, par exemple, à l'époque, enfin, il y a 20 ans, ce n'était pas très connu pour être extrêmement ouvert sur la féminisation. Aujourd'hui, on voit des dirigeants qui sont plutôt enclins justement à embaucher des éducatrices sportives parce que le courant passe super bien, notamment avec les plus jeunes. Il y a aussi voilà, peut-être un côté plus pédagogue. Enfin, après, je vais pas, voilà, c'est peut-être pas se lancer aussi dans des caricatures sur les Non. qualités des femmes. Hein, c'est pas l'idée, mais. L'idée, c'était de dire, si vous êtes une jeune femme et que vous envisagez ce type de métier, bah, vous avez toutes vos chances. Enfin, le marché est ouvert, quoi. C'est ça, complètement. On passe à la diapo Suivante. suivante. Ouais. Hop. L'animation. Eh ben, on va parler de l'animation. Donc, l'idée, c'est de parler un peu d'animation, un peu de sport. On voudrait insister un petit peu sur le côté animation. Donc pourquoi? Tout simplement parce que encore cette année, on a vécu un petit peu une pénurie d'animateurs un peu partout. Et donc, bah, y a du travail, hein. Y a de quoi travailler dans ce secteur-là. Alors voilà, j'ai juste mis la définition du Larousse. C'est quoi l'animation? À partir de ça, ensemble des moyens et méthodes mises en œuvre pour faire participer activement les membres d'une collectivité à la vie du groupe. On a une autre définition, méthode d'encadrement d'un groupe qui favorise l'intégration et la participation de ses membres. Elle permet donc le développement des relations sociales de ceux qui y participent et l'augmentation de leur autonomie. Donc on parle de collectivité, on parle d'autonomie et de social. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Par rapport au futur métier lié à l'animation que vous pourriez faire, on est vraiment dans le contact humain et la collectivité. Tu voulais. Moi, je voudrais insister. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs que même dans le Larousse, on reprenne cette idée-là de, on dit participer activement. Et c'est vrai que c'est une des évolutions du métier, peut-être par rapport aux représentations qu'on pouvait avoir, voilà, il y a 30 ans, où avant l'animation, en fait, on se posait pas forcément la question. Hein, enfin, on n'allait pas forcément davantage voir plus loin que le bout de son nez. On se disait, on appelait, il y avait des structures d'ailleurs qui ont évolué. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de garderie. Aujourd'hui, on parle d'accueil périscolaire. Et le vocabulaire, il a un sens, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur de l'occupationnel. Maintenant, on essaye vraiment de donner du sens à l'action et rendre tous les publics, y compris les petits, mais vraiment acteurs de leur projet. Et donc ça, c'est intéressant parce que, alors là, c'est dommage que notre collègue Virginie Desfrancas soit pas là, mais elle aurait pu parler de ce que sont les réseaux comme les Francas, les CMA, etc. On parle d'acteurs de l'éducation populaire. Alors, je ne sais pas si l'éducation populaire, ça parle aux gens qui sont dans la salle ou qui sont derrière leur écran, mais c'est un peu le pendant de l'éducation nationale. Hein. L'éducation nationale qui est vraiment très institutionnalisée, avec des choses qui sont très normées. Et puis l'éducation populaire, en fait, l'idée, c'est d'apporter aussi du contenu éducatif. En fait, quelque part, on est un peu sur le même objectif, mais pas avec les mêmes méthodes. Et donc, c'est intéressant, voilà, pour les gens qui veulent se diriger vers ces métiers-là. Qu'ils aient en tête que l'idée, voilà, c'est pas juste j'aime le côté loisir ou j'aime, voilà, c'est la même chose pour le sport, hein, c'est pas juste j'aime faire du sport, mais en fait, c'est première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de transmettre? Est-ce que vous avez envie de transmettre des savoirs, des savoir-faire, des valeurs aussi? Voilà, ça paraît super important. Mais je pense que c'est avant tout pour ça qu'il faut s'engager dans ces métiers. Alors, ces métiers, j'ai fait une petite liste ici. Il y en a d'autres. Ça, c'est la liste en fait qu'on retrouve dans nos fiches de documentation. Nous, on a des fiches au CDJ et dans tout le réseau InfoJeunes que vous pouvez venir découvrir hein, sur le stand du CDJ à Passerelle. Mais voilà, dans tout le réseau InfoJeunes, on a ce type de fiches qui sont des fiches assez succinctes où on va décrire les différents métiers. PSL aussi a des ressources à vous transmettre, on en parlera à la fin. Donc voilà, j'ai juste pris la liste des métiers qu'on avait dans cette fiche-là pour éventuellement vous donner quelques idées. L'animateur socioculturel, animateur territorial d'animation, animateur de loisirs, animateur sportif. Donc vous voyez que l'animation et le sport sont quand même deux secteurs très liés. Animateur de quartier pour personnes âgées, nature, scientifique, multimédia, prestations festives. Et on a ludothécaire aussi, puisque ben, on a des ludothèques avec des personnes qui s'en occupent et qui animent les ludothèques. Voilà, donc tous ces métiers-là, qui sont liés donc au sport, au quartier, aux personnes âgées. Il n'y a pas que les enfants, hein, on peut aussi animer auprès de personnes âgées.
nature, on va plus avoir le côté environnement, scientifique, etc. Donc, vous voyez que ça touche dans, globalement, ce dont on parlait tout à l'heure, le côté collectif, social, etc. Mais après, on peut se spécialiser dans différentes thématiques. Et donc, on va parler de la porte d'entrée de tout ça, qui est un brevet. C'est pas un diplôme, c'est un brevet qui s'appelle brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA, que quasiment tous les professionnels de l'animation ont commencé par passer étant plus jeunes. Donc c'est important d'en parler parce que ça peut permettre notamment aux futurs étudiants ou aux étudiants que vous êtes de travailler en plus de vos études et d'arrondir notamment les fins de mois, mais il n'y a pas que ça dans le travail d'animateur, c'est bien ce qu'on essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Il faut aussi parler d'une certaine vocation. Donc le BAFA va vous permettre d'être animateur la plupart du temps pour les enfants, enfin même tout le temps pour les enfants, sur les temps périscolaires dont parlait Ludovic tout à l'heure. Donc dans chaque commune doit organiser l'accueil des enfants avant et après l'école pour les parents tout simplement qui commencent à travailler tôt ou qui finissent tard. Ils doivent organiser l'accueil des enfants les mercredis, parce que les mercredis, il n'y a pas école, ou soit le mercredi après-midi, soit le mercredi toute la journée. Et ils doivent organiser l'accueil des enfants pendant les vacances. Donc pour tout ça, il faut des animateurs. Et là, les animateurs BAFA ont toute leur place pour ces jobs-là. Donc l'intérêt, c'est que quand on est étudiant, qu'on a un emploi du temps étudiant, a priori, les vacances, on a du temps libre. En semaine, on peut avoir du temps libre tôt le matin ou le soir. Et donc, ça peut être compatible avec un emploi du temps étudiant. Donc normalement, c'est Virginie qui devait parler du BAFA. Alors moi, j'ai eu mon BAFA il y a un petit moment, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Je vais vous en parler quand même, puis je connais quand même un petit peu, puis Ludovic va m'aider s'il y a besoin. On le passe en trois étapes. Il y a trois stages à passer, un stage de formation générale, un stage pratique dans lequel on va aller travailler dans une structure d'accueil, et un stage d'approfondissement ou de perfectionnement. C'est à l'issue du troisième stage qu'on est titulaire du BAFA. Pour commencer le premier stage, il faut avoir 17 ans. En France, on a le droit de travailler à partir de 16 ans. Mais dans l'animation, pour commencer, si on n'a pas le BAFA, c'est très dur de travailler, quasi impossible. Et donc, à 16 ans, on ne peut pas vraiment travailler dans l'animation. On commence plutôt à partir de 17 ans en commençant à passer son BAFA. Le premier stage dure une semaine. Il coûte, on va dire, entre 400 et 500 euros. Le deuxième stage, vous allez travailler pendant 15 jours dans un accueil de loisirs. Donc là, c'est bien si vous êtes rémunéré. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut, ça amortit le coût du diplôme. Et le troisième stage, il va coûter aussi entre 400 et 500 euros. Et donc, il dure une petite semaine aussi. Voilà. Je fais assez succinct. Hein. On pourra rentrer dans les détails après, soit vous venez nous voir, enfin, vous verrez. Donc là, j'ai parlé un peu d'argent, ça fait un coût de 900 euros globalement, hein, le BAFA, c'est pas anodin. Donc il y a des aides quand même pour ça. Vous allez avoir des aides de la région et des aides de la CAF. Et depuis peu, en fait, on n'en sait pas plus. À l'automne, il y a eu une annonce du gouvernement. Justement, j'imagine, suite à cette pénurie dont je vous parlais tout à l'heure, cette pénurie d'animation, cette pénurie de vocation aussi pour l'animation, le gouvernement a décidé de faire une aide aussi de 200 euros. Alors ces aides sont sur critères de ressources, donc des coefficients CAF ou des revenus, des impôts. Quoi. Donc ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais elles peuvent quand même considérablement amortir le coût global du projet que vous aurez de passer le BAFA. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le BAFA, Ludovic, si tu as des choses à ajouter. Peut-être rappeler quand même que ça paraît super intéressant. Même alors le BAFA, c'est très spécifique hein, comme diplôme, comme brevet, parce que c'est pas un diplôme professionnel. Et pour autant, c'est un diplôme qui est extrêmement demandé sur le marché de l'emploi. Donc voilà, c'est un peu bizarre de dire ça. Donc c'est un peu quand même un passage obligé. C'est un peu une première marche obligée quand on veut aller sur les métiers de l'animation. Mais je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que le BAFA, comme je disais tout à l'heure, on va commencer à vouloir donner du sens à ce qu'on fait. On va se poser la question
de la portée éducative et on va commencer à parler projet pédagogique, projet éducatif. Et donc ça va, voilà. Et souvent c'est intéressant parce que ça fait, des fois il y a des gens qui passent le BAFA parce que bon, voilà, il faut gagner un peu d'argent l'été. Et puis on voit qu'en fait ça fait naître des vocations parce que du coup on prend conscience de l'intérêt que ça peut avoir de cette partie éducative. Le BAFA aussi c'est s'occuper d'enfants. Alors, bon, certains d'entre vous doivent avoir des enfants, mais pas tous. Quand on a des enfants, ça, en général, c'est une des choses les plus importantes dans notre vie. Donc, quand on est animateur BAFA de 17 ans et qu'on se retrouve responsable d'un petit groupe de 8 enfants, c'est quand même une très, très grosse responsabilité. Il y a la formation, il y a tout l'accueil de loisirs, le centre qui aide autour de ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un métier anodin. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de vocation, d'animation. Alors effectivement, comme dit Ludovic, ça va arrondir les fins de mois quand on est étudiant, mais avant tout, n'allez pas passer le BAFA ou être animateur juste pour le côté financier, parce que c'est pas un bon calcul. Il faut quand même il faut aimer les enfants. Après, a priori, tout le monde aime les enfants, mais au bout de 2 heures de rester avec les enfants, on les aime un peu moins parfois. Faut se connaître aussi un petit peu là-dedans. Donc, on peut faire du babysitting aussi pour mieux se connaître sur ce type de choses. Et pensez bien au côté vocation, au côté j'ai envie de faire de l'animation ou pas, au côté collectif dont on parlait tout à l'heure, au côté social. C'est important d'y réfléchir. Juste pour apporter une petite précision aussi, il y a de plus en plus d'organismes de formation qui proposent des sessions BAFA en externat. C'est-à-dire que la personne qui vient passer la formation, elle arrive le matin, elle repart le soir, elle revient le lendemain matin, elle ne passe pas la soirée sur place. Traditionnellement, on proposait à l'époque même que de l'internat. Et je vous invite, ceux qui veulent passer le BAFA, à prendre ce format-là, qui paraît beaucoup plus intéressant pédagogiquement, parce qu'en fait, je pense que sur le BAFA, il y a quand même une grosse partie des choses les plus intéressantes qui se passent en soirée. Et sur la dynamique de groupe, quand on revient chez soi le soir, c'est beaucoup moins pertinent. Alors Virginie, vous en aurez super bien parlé. Elle n'est pas là. Bon, Virginie, elle travaille au Franca. Alors les Franca, c'est un des organismes d'éducation populaire qui propose des formations de BAFA pour le premier et le troisième stage, les deux formations qui sont payantes. Mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Ils sont tous décrits dans un petit guide qu'on a ici. N'hésitez pas, vous pouvez le trouver sur le site internet Infojeunesse 17 du CDJ ou sur le stand du CDJ au CDJ. À vous de choisir quel organisme vous allez prendre. Après, il y a les étapes d'inscription. Bon, après, ça, c'est administratif. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. On peut peut-être parler, juste donner des noms. Il y a les CMA, par exemple. Il y a l'UFCV. Il y a les familles rurales en Charente-Maritime. Mais effectivement, vous aurez toute la liste sur le stand du CDIJ. Tout à fait. Voilà pour le BAFA. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. S'il y en a, je regarde l'écran aussi parce que les internautes peuvent en avoir. Non. Alors, on continue. On va continuer, on va parler des autres formations liées à l'animation. Donc, des formations peut-être un peu plus, du coup, professionnalisantes, où on va être plutôt dans une démarche de j'ai envie de travailler à plein temps en tant qu'animateur, animatrice. Qu'est-ce que je peux faire comme cursus pour y arriver ? Ludovic. Ouais, je prends le relais. Ouais. Vous avez effectivement des diplômes. Peut-être plus visuel de passer à la slide suivante. Hop là, voilà. En plus, on a ici dans la salle un grand écran, on en profite. Il est tellement grand que je pense que même au fond, on doit voir. On a en haut à gauche la porte d'entrée, on vous l'a dit, et du coup, on vous le répète, c'est le BAFA. Alors le BAFA, et puis on a glissé aussi le BFD, donc BAFA pour brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, BFD pour brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Ce paraît évident, mais je le dis quand même, on ne peut pas être directement directeur, il faut passer d'abord par la case animateur, il faut apprendre les choses les unes après les autres. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un diplôme professionnel, pour autant c'est une première marche qui paraît indispensable. Après, le premier niveau de diplôme professionnel, c'est le CPGEPS. Alors ça ne doit pas parler à tout le monde, le CPGEPS, parce que c'est un nouveau diplôme qui remplace un diplôme avant qui s'appelait le BAPAT. Je ne sais pas si c'était beaucoup plus connu. Mais le CPGEPS, en fait, c'est le premier niveau diplôme pour être animateur.
animateur en centre de loisirs notamment, mais pas que. Donc ça, c'est une formation, comme tous les diplômes jeunesse et sport, qui dure à peu près un an. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle peut être faite en apprentissage. Et en plus, voilà, je suppose que vous avez entendu parler forcément des aides à l'apprentissage en vigueur en ce moment. Donc en ce moment, voilà, c'est une période, on va dire, où ce n'est pas très compliqué de trouver un employeur pour pouvoir passer une formation en apprentissage. Ensuite, on continue de dérouler un petit peu, toujours sur la colonne de gauche, on a le BPJEPS. Donc BPJEPS, alors Sébastien vous l'a dit tout à l'heure, on a plusieurs métiers hein, dans l'animation. On a un peu le métier le plus répandu, on va dire, qu'on pourrait appeler animateur généraliste. Voilà. Donc ça, pour ce métier-là, la voie la plus cohérente, on va dire, c'est de passer un BPJEPS qui s'appelle Loisirs Tout Public, ou LTP. On va dire qu'il n'est pas spécialisé, quoi. Sur ce BPJEPS-là, il peut y avoir une difficulté pour les plus jeunes, ceux qui ont le moins d'expérience, c'est-à-dire qu'on a un diplôme en fait, qui est divisé en 4 UC. Alors, les UC, c'est des blocs. Hein, et il y a un des 4 blocs, en fait, c'est réservé à la fonction de directeur d'accueil collectif de mineurs. Donc, autant dire que quand on a 18 ans, qu'on a peut-être une saison en tant que BAFA, voilà, maximum, dans l'animation, être directement propulsé directeur de centre de loisirs, ça peut être une difficulté. Donc c'est pour ça que le diplôme du CPJEPS, qui est un diplôme infrabac, peut avoir du sens comme premier échelon. Alors l'idée, c'est pas de s'arrêter là, hein, c'est ensuite d'aller chercher le BPJEPS, le loisir tout public, mais peut-être après deux ou trois années où on aura acquis un petit peu plus d'expérience. Donc le BPJEPS loisir tout public, et puis du coup vous voyez aussi qu'il y a d'autres BPJEPS, donc il y a un BPJEPS activité du cirque, un BPJEPS éducation, environnement vers un développement durable, donc on disait tout à l'heure, hein, qui mène au métier d'animateur nature, animation culturelle, animation sociale, là on va être plus, c'est plus un diplôme qui va se tourner vers les personnes âgées, mais pas que, ça peut être aussi un public quartier prioritaire de la ville par exemple. Quand on réfléchit à l'évolution de carrière, ben on voit aussi qu'il y a des diplômes qui permettent aussi d'aller vers d'autres fonctions. Donc je continue toujours sur la colonne de gauche, je vais vers le bas, et donc là on a le DEGEPS. Donc DEGEPS, c'est diplôme d'État. Alors je n'ai pas précisé d'ailleurs ce qu'était un BPJEPS, mais BPJEPS, c'est brevet professionnel, jeunesse, éducation populaire et sport. Donc là, DEGEPS est la même terminaison, mais pour diplôme d'État, c'est un diplôme de niveau bac plus 2. Donc pour ceux qui sont intéressés par le sport, il y a bien le terme sport dedans. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on est déjà aussi, on a un peu scindé tout à l'heure, on parlait d'animation, mais on parle aussi de sport aussi. Hein. Ouais, pardon, je voulais préciser. Tout à fait, ces diplômes qui appartiennent au ministère de la Jeunesse et des Sports, quand les deux vont ensemble, voilà, ça évolue un peu au gré des gouvernements. Mais en tout cas, les diplômes, eux, sont transversaux. Donc le DEGEPS, là, ça va plus mener à des métiers autour de la coordination, donc coordination de projet, coordination d'équipe. Et puis, si on veut encore se projeter un petit peu plus loin, ben, on a le DESGEPS, donc le diplôme d'état supérieur, où là, on va pouvoir après accéder à des fonctions de direction, donc direction de centres sociaux, par exemple, voilà, de direction de structure d'une certaine taille où il y a des équipes à gérer. La colonne du milieu, donc là on est sur les diplômes de l'éducation nationale avec, alors je ne sais pas si j'ai besoin de s'étendre là-dessus, peut-être parler quand même du DUT carrière sociale. Donc là c'est un diplôme qui se passe à l'IUT et on va dire que c'est un peu le pendant du DEGEPS. Hein, avec le DUT carrière sociale, on va aussi pouvoir accéder à des métiers autour de la coordination de projet, du montage de projet, de la coordination d'équipe. Voilà, et puis sur la colonne de droite, alors je parle pas du. Alors, il y a un titre professionnel qui existe qui s'appelle animateur loisirs tourisme, mais là c'est vraiment pour travailler dans le secteur du tourisme, dans les campings, etc. Donc on est vraiment ciblé sur ce marché-là, on va dire. Voilà. Et puis on a le CQP animateur périscolaire, donc là il existe encore sur le papier, mais il n'est plus proposé, puisqu'en fait c'est plutôt le CPJEPS, voilà, qui va remplacer ce diplôme-là. Donc je m'étends pas sur le sujet, et ensuite tout en bas à droite, voilà, sur la diapo, alors là c'est pas des diplômes, c'est des concours. Donc on a des concours d'accès à la fonction publique territoriale notamment.
Et donc là, c'est intéressant de voir qu'avec un BPJS, par exemple, eh ben, on peut accéder au concours d'animateur territorial. Donc, à quoi ça sert ce concours-là? En fait, c'est pour travailler en tant qu'animateur, mais par exemple, dans un centre de loisirs, mais qui va être municipal. Puisque voilà, quand on a les centres de loisirs, en fait, ils sont soit associatifs, soit municipaux. Ça existe aussi qu'il y ait des entreprises, mais c'est plus rare. Et donc, pour un centre de loisirs municipal, eh ben, il faut avoir un concours pour pouvoir y travailler. Voilà pour l'animation. Est-ce que vous avez des questions sur ces diplômes là? C'était une présentation assez succincte, hein. Après, toujours pareil, si vous voulez aller plus loin, on sera là après, nous, pour répondre sur nos stands, et vous pourrez contacter nos structures et puis voir les organismes de formation, puisque toutes ces formations sont dispensées par des universités pour ce qui est de l'éducation nationale et d'autres organismes de formation pour la colonne de gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est quand même sur des formations plutôt courtes. Hein. Le BAFA, voilà, Sébastien l'a dit, c'est en 3 étapes, mais en gros, c'est en formation proprement dite, c'est 2 fois 1 semaine, plus le stage pratique au milieu. Le CPGEPS, le BPGEPS, ce sont des formations qui durent 1 an, et je n'ai peut-être pas assez assisté là-dessus, mais toujours en alternance, hein, c'est pour ça que je parlais de contrat d'apprentissage, le BPGEPS aussi, hein, accessible en apprentissage. Donc ça dure 1 an, mais en fait, grosso modo, si on veut schématiser, on a 1 semaine par mois en formation, et le reste en structure. Et puis le DUT carrière sociale sur l'éducation nationale, voilà, c'est pas non plus des études extrêmement longues, puisque l'IUT, c'est un bac plus 2, quoi. Voilà. Donc, une petite question, il n'y a pas de question, donc moi je vais en poser une. Vous en avez, n'hésitez pas, hein, vous levez la main. Donc, j'ai passé le BAFA, ça m'a plu, je trouve ça vachement bien. J'ai eu mon bac. C'est quoi la meilleure solution du coup? Plutôt éducation nationale, plutôt jeunesse et sport, pour continuer à faire de l'animation en centre de loisirs, mais pourquoi pas en municipalité, auprès d'enfants? Alors sur le métier d'animateur, voilà, animateur, ouais, de base, la voie la plus directe, c'est le CPGEPS ou le BPGEPS. La filière éducation nationale, on est davantage sur de la théorie, on va beaucoup parler de méthodologie de projet, montage de projet, c'est un métier qui est très proche, mais c'est pas exactement le même métier. Vraiment, pour être animateur, c'est plutôt la filière jeunesse et sport, à mon sens, qu'il faut privilégier. Et après, on l'a pas précisé, mais ce sont des formations qui sont accessibles même si on n'a pas le bac. Alors je suis pas en train de dire que ça sert à rien d'avoir le bac, hein, bien sûr, mais ça peut être important. Là, on parle de la colonne de gauche. Hein. Toujours pas de questions. On avance. Eh bien, on va passer au sport. Donc là, plus spécifiquement, le sport. Alors, je précise quand même, là, j'ai fait une petite liste rapide aussi de quelques métiers. J'ai enlevé tous les métiers qui sont pas vraiment liés à l'animation. Alors, dans notre petit guide... Voilà, les métiers de sportifs professionnels liés au sport professionnel, ça je les ai pas mis dedans parce que l'idée c'était de parler animation et sport. Mais on a des informations aussi, hein, c'est qu'on pouvait pas parler de tout sur cette table ronde. Dans notre fiche là, il distingue un petit peu sur la première partie des métiers du sport liés à l'encadrement et l'animation du sport grand public. Voilà, c'est plutôt de ça dont on va parler ici. Mais après, il existe aussi des métiers dans le sport professionnel, comme arbitre, entraîneur, etc., agent de joueur, qui sont plus liés à l'agent de joueur, et des métiers liés à la vente, la gestion et le management. Conseiller territorial des activités physiques et sportives, inspecteur jeunesse et sport, etc. Donc, mais ça, c'est plus des métiers en fait, qui vont être des évolutions de carrière la plupart du temps. Donc voilà, l'idée de cette table ronde, c'était de parler des métiers qui sont quand même liés à l'encadrement et l'animation autour du sport pour le grand public. C'est important, hein, je pense, de souligner ça, c'est-à-dire que les métiers du sport, souvent, enfin, l'idée, c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles, quoi. C'est-à-dire que parfois, on le voit quand sur les salons, hein, bon, alors surtout chez les plus jeunes, peut-être davantage chez les collégiens que chez les lycéens, mais en fait, ils viennent nous voir soit pour être joueur de foot professionnel. Donc là, on leur dit que voilà, s'ils ne sont pas déjà dans un centre de formation à 14 ans, ouais, ça va être compliqué. Mais ou sinon, c'est soit pour être prof de PS, quoi.
Alors que les métiers du sport, c'est y a une diversité de métiers qui est quand même assez. Enfin, voilà, je ne sais pas si on retrouve ça ailleurs. C'est-à-dire que les métiers du sport, on pourrait aussi dire que ça peut être mécanicien. Hein, sur le Tour de France, les gens qui font de la mécanique sur le vélo, bah, ils travaillent dans les métiers du sport. Quelqu'un que nous, par exemple, sur le moi, mon métier, c'est surtout la gestion des ressources humaines. Voilà, ça va être notre cœur de métier. On travaille avec un avocat spécialiste en droit du sport. Voilà, on pourrait dire que lui aussi travaille dans les métiers du sport. Donc c'est une diversité de métiers qui est quand même assez, assez énorme. Alors voilà, par contre, voilà, sur ces projets on va dire, spécifiques, je vous invite à venir nous voir sur le stand parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de tout et de toutes les formations. Quoi. Ce qui est intéressant aussi, je remercie Sébastien pour le petit travail là qu'il a fait, mais on voit que au niveau sémantique, au niveau du vocable pour le métier qui tourne autour de l'encadrement de la pratique sportive, il y a de quoi faire. Alors, des fois, ça nous perd un peu. Pour autant, en fait, c'est que du vocabulaire, mais on est toujours autour du même métier. C'est-à-dire que là, quand on voit entraîneur, éducateur sportif, coach sportif, on aurait même pu, après il y a des spécificités selon les disciplines, c'est-à-dire on parle de moniteur de tennis, on parle de moniteur de ski, mais par contre on va parler d'un prof de judo, bon voilà, faut pas s'en mêler en fait dans ce vocabulaire-là, en fait, qui en grosso modo c'est toujours, alors moi je parle plus d'éducateur sportif en général. Après, du coup, j'aime bien ce terme-là, éducateur sportif. Voilà. Ça, vous allez dire, est un peu chiant celui-là avec la portée éducative. Mais j'aime bien rappeler que dans éducateur sportif, y a éducateur avant sportif. Donc ça, c'est important quand on se projette sur ces métiers-là. Je le répète peut-être, mais ce n'est pas parce qu'on aime faire pratiquer un sport que pour le coup, c'est une bonne idée de s'orienter vers le métier d'éducateur sportif. Voilà, je le répète, je l'ai dit pour l'animation et je le dis aussi pour le sport. Ce qui est important, c'est d'avoir le goût à transmettre, d'avoir l'intérêt du lien avec les autres. Et ça, à mon sens, c'est primordial. Parce qu'après, qu'on soit prof de tennis, qu'on soit prof de judo ou même qu'on soit prof de théâtre ou prof de guitare, c'est juste le support qui change, mais la finalité, elle change pas. On est vraiment dans la transmission, quoi. Oui, tout à fait important à préciser. Et tu parlais tout à l'heure de moniteur de ski. Alors effectivement, là, j'ai même résumé. J'ai mis moniteur monitrice. Et dans nos fiches, on a moniteur de ski, moniteur en activité nautique. On a éducateur sportif des activités de natation. C'est-à-dire que selon la spécificité, votre spécificité à vous, selon les fédérations sportives, j'imagine aussi, ça ne va pas être tout à fait les mêmes termes, mais le métier final est à peu près la même chose. C'est-à-dire on va transmettre, on va enseigner, on va accompagner les jeunes et les moins jeunes pour qu'ils se développent dans l'activité, mais aussi pour du loisir. Hein. On peut faire du sport en pratique loisir. Hein. Alors ce qui est important aussi, je trouve, de souligner, c'est de voir que ce sont des métiers qui sont en constante évolution là, toutes ces dernières années. Et on voit que le sport, ça devient un support pour faire plein de choses. C'est-à-dire que maintenant, on parle de vecteur d'éducation, on parle de vecteur de santé. Donc ça veut dire aussi qu'on a des métiers où on va se spécialiser sur les activités physiques et la santé. Ça va être aussi un vecteur d'insertion. Voilà, il y a aussi des gens qui sont moniteurs de sport dans les prisons, par exemple, ou dans les quartiers. Et puis, ça peut être aussi vecteur de remobilisation. Maintenant, de plus en plus, on parle de remobilisation par le sport. Voilà, nous, dans notre groupement d'employeurs, on a des éducateurs sportifs qui travaillent avec des publics en mission locale, par exemple, et on voit que ça marche super bien. Donc ça, c'est intéressant. Après, en termes de spécialisation sur le métier. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent. Alors, je vais faire un petit sondage, à mettre un petit peu d'interactivité là dans la salle. Combien de personnes connaissent le métier de préparateur mental? Est-ce que ça parle dans la salle? Vous levez la main, préparateur mental. Ouais, j'ai vu trois mains. Ouais. Je crois que vous êtes il y en a qui ne lèvent pas la main haut, mais il y a 5 ou 6. Donc préparateur mental, on voit que ça commence à parler un petit peu. Il y a 10-15 ans, c'était un métier, personne n'en entendait parler, ou alors à l'étranger. Alors, le monde anglo-saxon était un peu précurseur là-dessus. Alors que maintenant, préparateur mental, on en voit dans toutes les équipes sur le sport professionnel.
Alors, ce n'est pas pour autant que c'est un débouché énorme. Voilà, on reste sur. Faut garder toute mesure. Hein. Il y a toujours plus de profs de PS que de préparateurs mentaux en France. Hein. Mais on voit que voilà, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent. Et que voilà, c'est un marché qui est en constante évolution, on va dire, le marché de l'emploi sur les métiers du sport. Et puis, ça, c'est important de le souligner aussi. On est sur des métiers qui évoluent. C'est-à-dire, avant, on parlait d'entraîneur ou d'éducateur sportif, et de plus en plus, alors quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on avait le cœur de métier vraiment pratiquement 100% du temps, éducateur sportif en foot, et ben, son métier c'était d'être sur le banc de touche, d'être sur le bord du terrain, et d'encadrer son entraînement, et puis de coacher le week-end. De plus en plus, on va demander à ces gens-là de faire aussi du développement, et donc on voit, alors ça c'est un métier qui est un petit peu moins récent, mais on entend parler d'agent de développement, ou de chargé de développement. Et donc, on va de plus en plus demander une polyvalence à tous ces professionnels-là. C'est-à-dire que la personne qui est sur le bord du terrain, eh ben, on va aussi lui demander de faire de plus en plus administratif, de monter des projets, de faire de la promotion, d'avoir aussi des compétences sur l'aspect événementiel. Pourquoi pas d'être capable d'aller chercher de l'argent. Ça, c'est intéressant peut-être de le souligner. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a Excelia hein, sur le salon Passerelle, vous pouvez leur en parler pour ceux que ça intéresse. Ils ont une formation qui s'appelle chargé de promotion et de marketing sportif, où l'idée en fait c'est de former des professionnels pour que les clubs puissent développer des sources de financement en allant chercher de l'argent dans le secteur privé plutôt qu'uniquement auprès de leurs adhérents ou en allant taper à la mairie du coin pour avoir une subvention. Donc on voit là aussi de nouveaux métiers et surtout une polyvalence qui va être demandée de plus en plus importante. Donc il ne faut pas que ça soit quelque chose qui rebute, mais voilà, il faut le savoir, quand on va s'engager sur une formation, on va en parler après hein, des formations, mais on ne va pas être que sur l'aspect pédagogie, sur l'aspect pratique sportive, il va falloir aussi développer des compétences sur l'informatique, il faut être capable de rédiger un minimum, il faut être capable de faire des stats, parce que quand on fait un super boulot, et ben après c'est bien de le présenter aux partenaires, en assemblée générale, etc. Donc on va demander aussi de savoir faire un PowerPoint, voilà, comme on l'a fait aujourd'hui. Merci. Alors, les formations, on va en parler. Vous allez voir que ça va un petit peu ressembler à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on ne remet pas le même tableau que tout à l'heure, mais on va avoir des similitudes. Moi, je voudrais insister. Alors là, on a les formations jeunesse et sport aussi, CPGEP, CBPGEP. On a des diplômes aussi dans l'éducation nationale. Moi, je voudrais souligner une chance qu'on a dans le secteur du sport et aussi de l'animation. C'est qu'on peut tester en fait. C'est-à-dire qu'avant de s'engager dans une formation qui dure voilà, minimum un an, ou même pour ceux qui veulent rentrer en STAPS, voilà, vous y allez rentrer pour minimum 3 ans, ben, on a une chance, c'est de pouvoir tester. On peut tester le métier d'éducateur sportif. Et des fois, on ne se rend pas compte de cette chance-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire médecine, qui veut être chirurgien cardiaque, s'il va taper à la porte de l'hôpital pour savoir s'il peut être bénévole sur une opération. Bon, enfin, moi, j'aimerais pas être opéré, quoi, à ce moment-là. Hein. Et là, on a cette chance, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être, voilà, je vais rester sur éducateur sportif, qui va être entraîneur de basket, par exemple, et ben, s'il va taper à la, enfin, déjà, à mon avis, il va être déjà licencié, il sera déjà pratiquant, mais s'il va voir son club ou s'il va taper à la porte du club pour savoir s'il peut faire une semaine de stage de découverte avec un entraîneur pour voir si c'est vraiment ce qu'il a envie de faire. Et dépasser un peu le côté parce que quand on est joueur on n'a pas forcément conscience de tout ce que ça implique le métier d'entraîneur on n'a pas forcément conscience qu'on va passer aussi quelques heures derrière son ordi ou derrière sa feuille pour préparer ses séances etc. Et donc ça je pense que c'est quelque chose dont il ne faut pas se passer en fait, voilà, de pouvoir s'impliquer. D'ailleurs c'est demandé hein, s'il y en a parmi vous qui veulent rentrer en STAPS, maintenant c'est sur dossier. Et il va falloir valoriser en fait tout cet engagement bénévole que vous avez eu avant. En plus, maintenant, on a des dispositifs pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'imagine, vous avez tous entendu parler du service civique, mais ça peut être une façon aussi de s'engager tout en ayant une petite rémunération qui rentre. Ça peut être aussi pour les sportifs. Moi, je vous invite aussi à passer le BAFA, parce qu'en fait, voilà, je le redis, mais en fait, le support échange, mais pour moi, c'est quelque part, c'est la même finalité, c'est les mêmes compétences pédagogiques.
Et puis dans le secteur du sport, on va le voir après, enfin du coup, bon, non, c'est le contraire, on ne le verra pas sur le tableau qui apparaît après, mais on a des brevets fédéraux. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui sont basketteurs par exemple, et ben, on a des brevets fédéraux en basket, mais c'est le cas dans toutes les disciplines, dans le foot, le tir à l'arc, etc., qui ne permettent pas d'encadrer contre rémunération, mais qui permettent déjà d'avoir un petit bagage, de développer des compétences, d'acquérir des connaissances, et qui vont être une première étape avant d'aller sur des formations qualifiantes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est un peu la base, je devrais commencer par ça. Mais le métier d'éducateur sportif, en fait, tous les métiers autour de l'encadrement de la pratique sportive, c'est une profession réglementée. Donc, voilà, on ne le sait pas forcément, mais en fait, il faut une carte professionnelle d'éducateur sportif, sinon on n'a pas le droit d'encadrer contre rémunération. Pour être bénévole, ça ne pose aucun souci, mais pour être rémunéré, il faut une carte professionnelle. Et donc, pour obtenir cette carte professionnelle, il faut deux choses, on va dire. Il faut un diplôme qui soit reconnu par l'État, donc là, grosso modo, hein, c'est la liste que vous avez sous les yeux. Et puis, il faut aussi un casier judiciaire qui soit compatible avec la profession d'éducateur sportif. Donc, voilà, quand vous obtenez votre diplôme, ensuite, vous allez faire une demande de carte professionnelle auprès de Jeunesse et Sport, et eux-mêmes, ils vont vérifier si sur votre casier judiciaire, il n'y a pas d'incompatibilité. On procède de la même manière. Alors là, vous voyez que... Il y en a plus, là. Ouais, là, il faut s'y retrouver. Vous avez de bons yeux. On va juste expliquer en quoi consistent les colonnes, mais juste pour s'y retrouver. Et puis après, je vous inviterai à venir nous voir sur. Alors nous, on est sur le stand qui s'appelle Métier du sport et de l'animation, mais on pourra vous guider en fonction de votre projet individuel. Donc sur la colonne de gauche, on a même chose que tout à l'heure pour l'animation, les diplômes jeunesse et sport. Donc là, on n'a pas de CPGEPS, c'est directement un BPGEPS, mais voilà, vous voyez qu'il y en a. Il y en a plein. Donc on a des BPGEPS voile, on a des BPGEPS rugby, etc. Et puis il y a un BPGEPS dont il faut peut-être parler un petit peu, qui est un petit peu différent des autres, c'est le BPGEPS activité physique pour tous. Où, en fait, ce diplôme-là, c'est le plus polyvalent. C'est-à-dire que la personne qui sera titulaire de ce BPGEPS-là, elle pourra encadrer tout type de sport, sauf les sports, ce qu'on appelle un environnement spécifique. Donc voilà, la personne qui veut être moniteur de parachutisme, bah, ça ne sera pas avec ce diplôme-là. Moniteur de ski non plus. Mais par contre, on peut encadrer tous les types de sports et ça va être uniquement pour l'initiation de la découverte, pas d'entraînement. Voilà. Ensuite, on a des DEGEPS, donc niveau Bac plus 2, donc diplôme d'État, où là aussi, on va plutôt être sur de la coordination et surtout sur de l'encadrement, mais avec une finalité de performance, on va dire. Ça va être vraiment l'idée de préparer à la compétition. Et puis, même système, ensuite, on a des DESGEPS, donc niveau Bac plus 3, où là on va plutôt être sur de la direction de structure. La colonne du milieu, donc là c'est les CQP, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les CQP c'est une catégorie de diplôme qui peut être un peu méconnue. Les CQP en fait ça va être des formations courtes, c'est des diplômes de la branche du sport, donc là aussi on a une grosse diversité de CQP et on va dire que ça peut être un peu le pendant. Enfin, il y a deux intérêts. Ça va être un peu le pendant du CPGEPS pour l'animation, c'est-à-dire que ça peut être une première marche. Je pense au CQP animateur loisirs sportifs, par exemple, ou du CQP voilà, qui peut être une première marche avant d'aller vers le BPGEPS activité physique pour tous. C'est une formation qui est courte, qui dure maximum 6 mois, qui est quand même professionnalisante parce que ça va permettre la délivrance d'une carte professionnelle d'éducateur sportif. Mais pour autant, ce ne sont pas des diplômes qui vont permettre après d'en vivre à temps plein. Voilà, le message je voudrais surtout pas que vous pensiez qu'on passe un CQP sur 6 mois et puis après on peut vivre de son métier à temps plein. Voilà, c'est pas vrai. Donc voilà, ça peut être une première marche et puis ça peut être aussi un diplôme intéressant pour avoir une employabilité plus forte, pour diversifier en fait ses compétences. C'est-à-dire, on imagine quelqu'un qui a un BPGEPS. Activité physique pour tous. Il va passer, je dis n'importe quoi, mais il va passer en parallèle un CQP tir à l'arc. Voilà, c'est une formation qui doit durer 15 jours de mémoire, c'est très court. Et du coup, bah, il va obtenir ce qu'on appelle des prérogatives, donc en fait la capacité à exercer le métier d'éducateur sportif. Et donc, il va avoir une employabilité du coup beaucoup plus forte sur le marché du travail. On a aussi, alors je vais continuer là sur de mémoire, c'est sur la colonne verte, on a aussi des fédérations qui ont fait le choix de ne pas avoir de BPGEPS, donc par exemple le foot,
Ne cherchez pas de BPJEPS Foot, ça n'existe pas. Donc là, ça s'appelle un titre à finalité professionnelle. Donc en l'occurrence, là, je reprends toujours sur l'exemple du foot, on a le BMF, le brevet de moniteur de foot. On a aussi un diplôme comme ça dans l'animation, dans la natation. On en a aussi un dans le handball. Bon, pour résumer, voilà, c'est intéressant de savoir que ça existe, mais après, l'idée, c'est de venir nous voir par rapport à d'autres projets professionnels pour qu'on vous oriente au mieux. Et puis, sur la colonne bleue, on retrouve là, du coup, les diplômes du ministère de l'Éducation nationale avec la filière STAPS. Avec ce qui est important de signaler, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, quand on s'engage en STAPS, en général, ouais, c'est pour avoir une licence, donc on s'engage pour 3 ans. Mais il y a une étape importante au bout de la deuxième année, c'est-à-dire qu'au bout de la deuxième année, quand on valide sa deuxième année, on obtient les prérogatives du BPJEPS Activité Physique pour Tous. C'est-à-dire qu'au bout de la deuxième année, on peut avoir une carte professionnelle et on peut commencer à travailler contre rémunération. Et après, sur STAPS, voilà, s'il y a un message à faire passer, c'est parce qu'il peut y avoir voilà, des représentations fausses sur STAPS. Donc STAPS, ce n'est pas que pour préparer le concours de prof de PS. Ça mène à, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, mais une diversité de métiers assez énorme. C'est-à-dire qu'on a la filière éducation motricité qui va préparer effectivement au professorat de PS ou au métier d'éducateur sportif en club. Mais on a aussi la filière activité physique adaptée et santé, par exemple, qui va permettre de devenir prof d'activité physique adaptée. Donc travailler sur de la rééducation, sur de la réathlétisation, travailler avec les personnes en situation de handicap. Donc on est plus proche du milieu paramédical, on va dire. On a la filière management du sport, où là, on va travailler des matières comme la communication, le marketing, le droit. Ça va être aussi tout ce qui va être événementiel. J'en oublie certainement. Mais voilà, tous les métiers administratifs, quoi. Ça souligne la polyvalence quand même qu'il faut, qu'on voit un petit peu depuis le début, mais peut-être particulièrement en plus en STAPS, que ce soit dans les disciplines sportives que dans les autres disciplines extra-sportives, quoi, qu'il faut connaître et qu'on apprend sur les filières STAPS. Ouais, c'est ça. Alors STAPS, voilà, bon, après on verra s'il y a des questions là-dessus, mais effectivement, il y a un espèce de tronc commun là, sur les premières années, mais ensuite on a une spécialisation qui vient assez vite. Donc il faut être solide, on va dire, sur les matières scientifiques, en tout cas, hein, sur la première et deuxième année, notamment sur les matières comme l'anatomie, la physio, etc. Mais après, on peut se spécialiser sur le marketing, sur la compta, sur l'analyse financière, etc. Alors après, pour ceux qui ont des projets de métier sur ces secteurs-là, la question qu'il faut se poser, mais je n'ai pas forcément la réponse, hein, mais par exemple, on veut être spécialiste en marketing du sport, bah, est-ce qu'on fait STAPS? Et puis on se spécialise après, on fait un master en STAPS sur le marketing. Donc on a la porte d'entrée sport et on se spécialise à la fin sur le marketing. Ou est-ce qu'on fait l'inverse ? C'est-à-dire est-ce qu'on fait une école de marketing et puis on se spécialise sur le sport à la fin ? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser, mais j'ai pas forcément de réponse. Voilà, et puis pour finir un peu sur la même idée que tout à l'heure pour l'animation, on a aussi la piste des concours pour ceux qui sont intéressés pour travailler dans la fonction publique, donc voilà, soit sur la fonction publique d'État avec le concours de prof de sport, soit sur et puis le concours de prof de PS, hein, c'est 2 concours différents, on pourra préciser si vous voulez, et puis aussi sur la filière de la fonction publique territoriale pour ceux qui veulent travailler dans un service des sports, dans une mairie par exemple, voilà. La Rochelle, typiquement, les éducateurs sportifs de la ville qui interviennent dans les écoles, dans les clubs, etc., ils ont passé ce concours d'ETAPS, d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Voilà, c'est une journée lourde à digérer. Les salons passerelles, c'est toujours comme ça. Donc il faut prendre le temps, il faut faire mûrir ses idées dans la tête. On va y revenir tout à l'heure. Juste, on voulait parler des perspectives d'évolution, mais on en a déjà pas mal parlé. C'est-à-dire que souvent, on commence en tant qu'animateur ou comme prof de sport ou moniteur sportif. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bah, j'aimerais prendre un petit peu plus de responsabilité, peut-être plus diriger, plus coordonner. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait faisables aussi dans ces secteurs-là. Et on a déjà un peu évoqué d'ailleurs les diplômes pour ça, hein, aidez-moi, DEGEPS, DESGEPS. DE et DES. Oui, sont vraiment liés à la coordination.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est que, alors je l'ai pas, on aurait pu le dire d'ailleurs quand on a présenté le marché de l'emploi, mais on a du turnover hein, sur certaines, notamment sur certains secteurs comme le milieu du fitness, on a un turnover qui est quand même très important puisque c'est des métiers qui sont usants physiquement. Et donc on a beaucoup de reconversions. Mais on voit que toutes les compétences qui ont été développées voilà, sur le terrain, mais aussi dans ces formations, en fait, on a des compétences transversales. On obtient des compétences transversales qui sont plutôt appréciées après sur le marché du travail, mais en général, voilà, pour les employeurs. Donc on a quand même, et y compris sur STAPS, hein, d'ailleurs, on a des taux d'employabilité à l'issue de STAPS qui sont vraiment très très bons. Par contre, ils ne travaillent pas forcément dans le milieu du sport. Voilà, c'est assez étonnant. Mais pourquoi pas. Est-ce que vous avez des questions? Nous, on arrive à la fin de la table ronde. Des questions par rapport au sport? Alors, comme je disais là à l'instant, effectivement, là, aujourd'hui, vous allez amasser une somme d'informations assez conséquente, surtout si vous avez fait le tour de tous les stands. Donc il faut digérer tout ça, il faut prendre le temps, il faut laisser mûrir dans sa tête, et puis il faut ne pas hésiter à continuer vos démarches d'information par la suite, auprès des organismes de formation, mais auprès aussi des structures un peu généralistes comme les nôtres. Donc n'hésitez pas à nous recontacter, à utiliser nos ressources documentaires. On peut prendre rendez-vous, on peut se voir et en discuter. Alors, pour les Francas, donc Virginie est absente, mais voilà, vous pouvez très bien aller consulter le site desfrancas17.fr pour ce qui est de l'information, notamment sur le BAFA, mais pas que. Encore une fois, le BAFA, il n'y a pas que les Francas, il y a d'autres structures qui proposent les formations. Et profession sport et loisirs, je te laisse Ludovic présenter les ressources. Ouais, très rapidement. Donc effectivement, nous on a la vision employeur aussi qui peut être intéressante, hein, si on a intéressante. S'il y a des questions, si vous avez des questions là-dessus, puisqu'en fait on est un groupement d'employeurs et donc on fait de la mise à disposition de personnel. On fait aussi, on a un pôle aussi paye et gestion sociale, c'est-à-dire qu'on fait la paye pour les clubs, pour les centres de loisirs, etc. Je ne m'étends pas dessus. Voilà, ce qui est peut-être un plus intéressant à savoir, c'est qu'on a un pôle formation maintenant qui se développe avec un CQP, animateur de loisirs sportifs. On a aussi le CPGEPS, animateur des vies quotidiennes, qu'on lance voilà, sur ce printemps-là. Donc vous pouvez aussi voilà, avoir des informations sur ce diplôme-là. Et puis on propose aussi un BPGEPS Activité physique pour tous, donc avec une nouvelle session qui va démarrer en septembre-octobre voilà, sur La Rochelle, accessible en apprentissage. Effectivement, après sur les ressources, donc si vous voulez aller plus loin, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est venir nous voir sur le stand ou prendre contact après si vous avez laissé passer l'occasion. Pour ceux qui sont en distanciel, n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone. Et puis sinon, sur ceux qui veulent aller fouiller un petit peu, on a une rubrique orientation sur notre site internet, sur profession-sport-loisirs.fr. où vous allez retrouver des fiches formation, des fiches métiers, et puis surtout des vidéos métiers hein, pour ceux qui veulent voilà, avoir des idées, avoir des témoignages. Sachant qu'on en a une bonne trentaine maintenant, je pense, entre 30 et 40. Et donc on n'est pas sur éducateur sportif, par exemple, voilà, de manière générale, mais on est sur éducateur sportif voile, éducateur sportif tennis, etc., avec toutes les spécificités que ça peut recouvrir. Et on a aussi voilà, des vidéos métiers sur la partie animation. Ces vidéos sont assez précieuses quand on ne sait pas, c'est peut-être votre cas, enfin on a beaucoup de jeunes aujourd'hui dont c'est le cas, qui ne savent pas encore bien sûr hein, ce qu'ils vont faire plus tard, c'est plutôt normal. Donc les vidéos qu'on peut trouver sur internet, avant tout on va chercher un métier, hein, plus qu'une formation. Et donc ces vidéos de personnes qui parlent de leur métier, c'est des ressources précieuses, ça n'hésitez pas à aller les voir. Donc là en plus on a des ressources locales, puisque PSL est une structure de La Rochelle. Donc c'est des gens qui sont d'ici. Alors je ne sais pas si ça c'est différent du reste, mais en tout cas voilà, ça donne un petit aspect supplémentaire. N'hésitez pas à profiter de ça. Des vidéos, vous allez en trouver sur le site de l'ONICEP aussi, sur le site du Siege de Paris, autour des métiers. Donc pour profiter, parce que ça peut vraiment vous aider à vous rendre un peu mieux compte de ce qu'est le métier, d'avoir les côtés positifs, les côtés négatifs, parce que c'est des témoignages de professionnels qui ne vont pas forcément dire que leur métier est le
meilleur métier du monde, que c'est que du bonheur et que positif. Ils vont être assez objectifs aussi par rapport à ça. Et ça, c'est des témoignages très intéressants. Le mieux, c'est de les obtenir dans votre vraie vie en allant rencontrer les gens. Mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours possible. Donc d'avoir ce type de ressources, c'est quand même intéressant. J'ai failli oublier aussi de préciser qu'on a une préformation au métier du sport et de l'animation, qui est en accès gratuit avec un financement jeunesse et sport. Donc s'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore complètement convaincus, ils veulent tester, ils veulent s'assurer que c'est bien la voie qu'ils veulent prendre, voilà, ces métiers-là, on a une préformation qui est faite pour ça, dans le sens où on va avec eux confirmer ou pas leur projet professionnel, en faisant rencontrer aussi justement des professionnels, en organisant des périodes d'immersion en situation de travail. On va pouvoir aussi financer des brevets fédéraux, ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on peut financer au moins une partie du BAFA, on peut financer le BNSSA, on peut financer des brevets fédéraux pour les sportifs. Et puis ensuite, on va préparer au test d'entrée en CPGEPS ou en BPGEPS. Donc ça peut être aussi une phase intéressante qui peut être couplée avec une mission de service civique, par exemple. Donc pour ceux qui ne sont pas encore sûrs de leur coût, ça peut être un passage intéressant. Merci, on est pile poil dans le timing. J'ai juste le temps de vous reparler un peu de ma structure, donc InfoJeune 17, La Rochelle, et donc qui s'appelle le CDIJ. Pareil, on peut se revoir, n'hésitez pas à nous rappeler, à nous recontacter, à me recontacter. On peut prendre rendez-vous pour discuter sur un entretien de tout ça. On a des ressources documentaires aussi à vous partager, des vidéos. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait des questions? Toujours pas. Merci de votre attention, merci d'être là, profitez bien de ce salon passerelle, merci pour l'organisation du salon et à bientôt.